Anastasie, où étais-tu? Elle se tournait les pouces. Chère mère, c'est la fin de notre calvaire. Un bâton? Oh, et si on la frappait avec? Non, 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 c'est pas un bâton. C'est une baguette magique. Je vous l'avais dit, ça ne tourne plus rond. J'ai vu cette vieille folle qui, hop, a habillé Cendrillon de cette belle robe. Et, oh, le prince. Le ménage, ça fatigue les ménages. Oh, je vais vous donner une preuve. C'était quoi la formule wapiti, papiti, pou? Skip, skip, skadou. Ah, non, 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 je la savais pourtant. Oh, oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Bibidi, babidi. La voilà. Petite, rends-moi cette baguette. Si elle tombe entre les mains mal intentionnées, elle pourrait devenir extrêmement dangereuse. Allez maintenant, rends-la-moi. Rends-la-moi, vilaine petite oie. Non, pas de question, grand-mère. Bibidi, babidi. Regarde ce que tu as fait. Rends-moi ma baguette magique. Non, j'en ai besoin, vieille potiche de Zarda. Bibidi, babidi, bou. Oh non. Coucou. Coucou, grand-mère. Je suis désolée. Je voulais pas lui faire de mal. Voilà donc le secret de Cendrillon. Quelle délicieuse ironie. Vous comprenez ce que cela veut dire, les filles? Oui, terminez le ménage. Cette baguette, c'est le pouvoir, la richesse, la vengeance.